C'est bon, je crois qu'on a fini le flashback. Since then, Lena's been Kai. She even earned that nickname. Deadeye Kai, they call her. Oh, come on! Not even a golf clap? I just gave away our biggest secret with a story and everything. But there are still some things you haven't answered. Kai, the real one, I mean. Where did he go after that? What was this secret mission that Command put him on? Wasn't he hurt? Is he ever coming back? Oh là, trop de questions. Sorry, but I don't have those answers. No one's heard a peep from him since Lena showed up. So for all we know, he could be dead. Son frère est mort comme une larve pleurant dans son urine. Oh putain. Please, there's no way he'd die that easy. Didn't you try searching for him? It's ludicrous. You have no idea where he even is. Hey. He asked me a favor, and I said yes. That's all. Beyond that is none of my business. I just trust his decisions. He's not the kind of guy to make the wrong choice. Ouais, pas de mauvais choix. Le mec qui vient blessé, qui a jamais été blessé, qui dit qu'il a foiré sa dernière mission alors qu'il foire jamais les missions. Ouais, ouais, non, il fait pas de mauvais choix. That's idiotic. Maybe, but that's how we do. We trust each other. Mm. So parading his sister around as a man and dragging her into combat is your thing? Well, don't worry about that. He asked us to look after her. So I'm gonna protect her. Whatever it takes. Jeez. That's the most idiotic part of all of this. How do you expect to constantly guard her on a battlefield? Hmm? Oh, looks like Claude and the others are back. Finally, I can go back to my tent. Hey, just so we're clear, you mind not telling Kai we talked about all this? Why not? I mean, she's got it hard enough as it is. I don't want to go reminding her about her brother. Yeah, I can understand that. Those two were really close after all. Je veux voir les bateaux. I hope we can all be together again someday. Maybe back in Hafen. Once things are peaceful. That'd be nice. Back when we were kids, we had to say goodbye once curfew hit. But now we can drink all night. And I got loads of stuff to talk about with you guys. Like I'd stay up all night listening to your drunken rambling. Come on, we should head back before we freeze to death. There's no place like home. Home sweet home? You mean that tent buried in the snow? Well, at least it's out of the wind. Yeah. Let's go. Allez, allez dans la même tente. Chapter 8, The Crystal Sea. Haha! Listen up, everyone. I'd like to introduce a new member of Squad E. Oh non, on a des nouveaux, merde. Et t'es au-dessus en lui montrant tout en ricanant. You don't know me. I'm your new Prince Charming. Leonhard Strauch. Got it memorized? C'est marrant, toi t'étais dans le flashback et depuis tout ce temps on t'a pas vu dans la dans l'escadron. C'est marrant ça. Yasha Alat. Now if you'd like to review the principles of ballistic trajectory, I can go over the formula. Ah, regardez, c'est Otakon. Où il est amnésique, il vit dans un petit village avec une femme et un enfant. Ouais, c'est pas mal aussi. Ok. Quoi? Pas encore disponible. Merde! Donc on peut rien changer pour le moment. Ok. Bateau. Alors moi c'est monstre quoi. Only the coldest winters gave rise to the Crystal Sea, a floating field dotted with countless icebergs. Normally an inland sea. The bitter cold made it a frozen wasteland, impassable by ships. At these times, nature itself protected the imperial capital, snow on the land and icebergs in the water. However, this winter brought an unusual sight, three Federation battleships charging through that frigid expanse.
snow cruisers. These were the Federation's secret weapons, built to pass the impassable and tame the Crystal Sea. Ils les ont pas envoyés un peu tard. Squall a changé de couleur et est devenue blonde, Lyonna. De refaire quoi, Valkyria ou... Bon, fait fuite. If the snow cruisers hadn't shown up when they did, the entire Ranger Corps would have died on that coast. As it stood, it already lost over half our troops by the time they arrived. After boarding, we reorganized the survivors. Each company went to a different ship. Squad E's company was assigned to the Operations Number 2 vessel, the Centurion. We're finally in a place where we can leave the cold, the hunger, and the marching behind. It's almost too good to be true. Straight out of hell, and into something like heaven. Outer heaven. But it's not a heaven that comes with a sky. On est dans Outer Heaven. Hey, Valkyra, sont des bons jeux. Riley, how's Minerva holding up? She won't touch her food. It seemed to take all her effort just to respond to me. Minerva va nous tuer. I see. Well, I can't blame her. On va essayer de nous poignarder. She's one of the few survivors of Squad F. And they... They might not have died if... If Squad E had been quicker. But if Minerva stays like this... Yeah. Time heals all wounds. But we don't have that luxury. Ah, damn it, there goes my soup! Are you okay? That was a big one. Ugh, I've had enough of this crap. I can't keep my appetite with all this damn shaking. And the boat creaks, I can't even sleep. Le mec, il se plaint. Princess, can't get his beauty rest going over a little ice reef? You army boys are all the same. Wow, okay. Oh, sympa. Yeah? Well, we ain't a bunch of chumps on a boat, that's for sure. And whose boat do you think you're on? Oh, we can help you get some sleep, Hotshot. No more scary ice. You might not even wake up. Oh, you think you're hot shit? Fine, come get it! Oh mon dieu, arrêtez de vous... Oh putain, arrêtez de vous mettre sur la gueule, on est en temps de guerre, sérieux. C'est énorme. Refaire tous les MGS? Non. Coming in with a big wind-up like that? I'll show you how to throw a friggin' punch! Didn't we stop them? Oui. They can let off some steam. Idiots of the land versus idiots of the sea. It's not over, not yet. Come on! Hey, Kai, isn't this getting a little out of hand? Oh mon dieu. That's the thing about idiots. Oh la vache. They never learn unless you make them learn. What the hell? Hey Riley, you can't just grenade us. Holy, retreat! Retreat! Whoa. Riley, was that alive? Custom grenade full of chili powder, pepper and powdered mustard. Let's go, Kai. We can have some tea on the deck, where it's quieter. Ah! Ah, my eyes! My eyes!
Whew. C'est bien d'aveugler les soldats parce que on est un peu en temps de guerre. Et des soldats aveugles, c'est super utile. This has to be some kind of war crime. Where did she get this? Water! I need water! C'est énorme. Claude's probably the only one who can stop this. C'est énorme. Star, le pro des Metal Gear Solid. Ouais, peut-être que je le fasse un jour le 4. J'ai jamais fini. Welcome to the Centurion. I'm the captain, Roland Morgan. This is Marie, the radio officer, and Louf, the radar operator. Orion, c'est le Nicole de la saison 2. C'est pas celui-là qu'on a automatiquement. Ouais, c'est un peu comme Dark Final. Le 4, c'est Gun of the Patriot. Ouais, c'est ça. We help coordinate maneuvers between the ship and ground forces. It's nice to meet you, Claude. Louf, aren't you going to give Claude a proper greeting? What, waste my breath on that moron? I've got better things to do. Wow. Bonne ambiance! Excusez-la, c'est une salope. Louf's always like that. She's the best at what she does, though, so don't worry about her ability. I see. These young ground pounders are always so high-strung. And you are? Brian Haddock, Lieutenant Junior Grade. I'm the navigator. Lieutenant Haddock, it's a pleasure to meet you, sir. Just Brian is fine. You do outrank me, after all. Huh? No, I'm a lieutenant too. Not anymore, Claude. From this day forward, you're promoted to the rank of captain. I'd like to put you in command of this ship's guard convoy. Pardon? Commanding the guard convoy? But Minerva Victor should have seniority over me. We've already offered the post to Lieutenant Victor. She refused outright and recommended you in her place. She did? On va... Il a aucune expérience de la mer. Il a aucune expérience de bateau. Il pilote un tank. Il pilote un tank, c'est tout. I'd been considering you for the position myself after reviewing your record. With your judgment, adaptability, and the trust of your soldiers, you make a fine candidate. Okay. Will you accept this duty, Captain Wallace? Ah, tu l'appelles déjà capitaine, donc quoi? Yes, sir. Oh, marvelous. A plus, good. Les deux sont sortis dans l'ordre chronologique ou c'est dans le désordre? Ah, c'est complètement dans le désordre. Well, without any further ado, I'd like to explain your first mission as captain. Our three snow cruisers are currently heading north across the Crystal Sea. Attends, de tête, ça serait Metal Gear 3. Metal Gear... Ça serait... Attends. Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid Ground Zeroes. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ah oui, il y a Peace Walker après le 3. Merde, j'ai oublié. Non, c'est faux, Star. C'est faux. Our new aim is a raid on Schwarzgrad, the Imperial capital. The operation's known by the code name Cygnus. Il faut mettre Ground Zeroes et The Phantom Pain aussi dedans, dans l'ordre chronologique. It was a contingency plan for Operation Northern Cross, devised in secret, you understand. But with Operation Northern Cross set back so far, command is using it
as a grand diversion instead. Ground Zero, Phantom Pain, puis 1, 2, 4. Pas exactement. Avant le 1, 2, 4, il y a Metal Gear et Metal Gear 2, Solid Snake. Les tout premiers. And so, we of the Cygnus fleet have inherited the duty of invading the capital. Et après le 4, il y a Metal Gear Rising. Et après Metal Gear et Rising, il y a Metal Gear Survive. The Crystal Sea is a natural barrier. The Empire would never expect an attack from this side. Tu me saoules, personne n'y joue à cela. Even if they did, the ice can't support ships, much less infantry and tanks. They can't intercept or pursue. This new weapon, the Snow Cruiser, is going to let us ride right into the seat of the Empire. That is our duty. Attacking the capital from the Crystal Sea? I don't think anyone would see that coming. You command an entire guard convoy now, Mr. Wallace. I'll be expecting great things. Bon, résumé. Maintenant, on pilote, enfin, on commande les cruisers, les bateaux, et on va attaquer la capitale directement. C'est fou. I'll give it all I have, sir. Good to hear. Then... C'est complètement fou ce qu'on est en train de faire, mais c'est cool. Your first duty as captain is to appoint a leader. What do you mean? With your promotion, you'll be carrying quite a bit more responsibility than you've had so far. You will also have more members in Squad E now. You'll need to open your mind to new strategies. You're already delegating a bit to Lieutenant Miller and Sergeant Raz. I'd like you to appoint a new squad mate to leadership. To help bring Squad E to its full potential. Oh, ça veut dire que on va pouvoir choisir quelqu'un et faire en sorte qu'il puisse prendre des gens avec lui. I'm sure this will be a boon to you in the battles to come. Genre utiliser les PS, la commander, non? Thank you, sir. Give it some thought. I'm confident your choice will be the right one. Someone who's fit to be a leader. Who should I choose? Curtis. Tuteur assigné. Vous pouvez assigner des chefs au commandement. Sélectionnez un soldat sur la liste et utilisez-la pour assigner chef. Un chef augmente les PC au combat et donne des ordres et sont invincibles. Seuls les soldats au rang caporal ou supérieur peuvent être assignés chef. Les soldats sont promus grâce à leur expérience au combat. Plus une unité est déployée, plus vite elle passera chef. Ouais, non, Curtis, ce serait le top, Curtis. Je pense. Marathon Metal Gear. Je sais pas, ce serait intéressant. Il faudrait les prendre sur la PS4, par contre, c'est chiant. Minerva. Faudrait prendre la version HD ou je peux quoi. Non. Alors Minerva, qu'est-ce qui t'arrive avec toi? The position. I'll be commanding the guard convoy. Salut Fab, c'est quoi le style du jeu? C'est stratégie surtout. Un peu comme XCOM mais un peu plus simple. But why did you recommend me? Was the title not enough? Now you want to hear me admit defeat in my own words? Ooh. No. It's just... I know you still haven't forgiven me. And I never will. You killed Crystal, and you destroyed Squad F. I'll never forgive you, and I won't let you forget! Crystal fought with her head held high until the very end. She died fighting for what she believed in. Even when it all looked hopeless, she did everything she could to protect me. So I will avenge her death. I'll defeat the Empire and fulfill her wish.
Then why didn't you accept the... Pourquoi elle viendrait pas dans notre escouade? Because you are the better candidate, damn you! Squad F is gone. The only able member left from Squad D is their commander. After the reorganization, Squad E is the only one with any real firepower left. It's elementary. The only one who's fit to be commander is the one with the squad left to command. Minerva. Eh ben. Claude, I am prepared to do whatever it takes. I'll cast everything aside. If it means I can avenge them. If it means we can win. Staying locked in a petty contest of pride is only going to hold us back. C'est elle qui dit ça depuis le début du jeu. Elle arrête pas de faire ça depuis le début de l'histoire. Elle arrête pas de montrer, enfin d'essayer de montrer qu'elle est meilleure que Claude. Et maintenant c'est elle qui dit ça. Se fout vraiment de notre gueule. Merci pour le follow, Fabs. Bienvenue. Command me as you see fit, Claude. Oh. Bring us the victory you promised our allies. Command me. Our friends die fighting the Empire. Now it's our duty to avenge them. Yeah. I know. I'll be watching you, Claude. I will judge your determination and your strength of will. C'est intense. If you ever disgrace the memory of the soldiers who died to get you here, then I will personally send you to answer to them. Comme si on n'avait pas... On n'avait pas plus de... Listen up, everyone. I'd like to introduce a new member of Squad E. On n'avait pas plus sur nos épaules. Elle va sûrement nous rejoindre. Yeah! Minerva Victor reporting. My comrades paid the ultimate price. And I will carry on their legacy. Ah, j'espère que c'est un éclaireur. Ronald Albee. And I fight with the pride of Squad F in my heart. Ah, c'est celui-là, c'est lui qui reste de l'escadron F. Glory est désormais disponible. Le Glory? L'arsenal du Glory. Ah, c'est le bateau. Conduit le Glory qui peut être équipé de 3 armes proposées. Non, c'est peut-être pas le bateau. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Canon anti-blindage avec mortier intégré, mitrailleuse Gatling, anti-personnel divers, lance-flammes. Sectionne le Glory. Ah, c'est le tank, c'est le deuxième tank. On l'a combattu, on l'avait défoncé quand il nous avait proposé là dans la ville là, de faire un challenge. Cool. Et on peut toujours pas regarder. Yay. On a un deuxième tank dans les escadrons. I have an important announcement to make. As part of the reorganization of the Ranger Corps, Squad F will be merged into Squad E. Your attention, please. As you know, Squad F was dealt a crushing blow in the last battle. The Empire's attack was too much for us. We lost almost everyone. But the spirit of Squad F still burns bright in our hearts. We will rise again, fight for our fallen brethren, and overcome the Imperial Army. Minerva, Squad E is here to help you carry those burdens. Crystal's sacrifice and everyone else's. We vow to them and to you that we will see this through. C'est beau. Just so. We are bound by a single objective. Defeat the Empire and end the war. Henceforth, Squad F is under Captain Wallace's command. We shall push forward, together with Squad E. Let us fight as one! In addition to 2 new squad mates, we're also adding their tank to our numbers. Ça, franchement, ça me botte beaucoup plus que récupérer les deux. Miles, Dan, this is Squad F's driver. Lieutenant Ronald Albee. It's nice to meet you. Don't worry about formalities with me. With these new additions, our duties will be more demanding than ever. It's only gonna get tougher from here on out. We'll have to work together and fight as a team. I'm counting on all of you. Crystal, I will avenge you. Je pense que le tank de Lot, c'est surtout un anti-personnel, parce que si...
Apparemment, il a des lance-flammes et des trucs comme ça. Donc, je le vois plus en anti-personnel qu'autre chose. Genre, le canon, il doit être plus petit que celui-là du Hafen. On va voir. Ah oui, ils sont toujours en train de se mettre sur la gueule. Oh mon dieu. Seriously? They're still going at it? Could always throw them out onto the Crystal Sea and let them have a snowball fight. That's actually not a bad idea. But they must have an awful lot of pent-up energy. The snowball fight wouldn't be nearly enough. Minerva and Claude. Minerva, are you okay? I wasn't wounded. I'm ready to move out any time. That's enough. Oh. Je suis sûr qu'on va devoir faire un combat. The Federation is staking it all on a new plan, Operation Cygnus. We need to make sure it succeeds. We don't have time to be fighting over petty differences. Operation Cygnus? The hell is that? Wait, you guys came aboard without even knowing that? Raz, everyone, listen to me. This ship is heading north across the Crystal Sea, towards the Imperial capital. Schwarzgrad. This op is our new focus as part of the Ranger Corps. Wait, Claude, is this ship really going to the capital? Yeah. So we can roll on over the imps just by riding this thing? That's almost too easy. You squids and the crew better make sure I get there. I'm gonna be a hero, you know. You? The kid complaining he can't get his nap time? You're not even gonna last to the capital. What'd you say? Raz, cut it out! I think we might need some joint training between the army and the navy. For this. Je l'avais dit. On va devoir se mettre sur la gueule. C'est parti, on va pouvoir voir ce qu'on a récupéré. Oh, enfin. Enfin, ça fait genre une heure que je voulais voir ça. Ok. The fresh recruits can... Assigner un chef. On va déjà voir ce que les nouveaux ont. Ronald. Loyauté du Minerva. Auprès du Minerva, se détermine à son protégé, augmente de sa défense. End des Dark Sands. Ok, ça on connaît. Fierté de l'escadron F confère une chance de récupérer les PV après une attaque. Et rivalité, proximité d'un membre de l'escadron E le pousse à vouloir le surpasser, ce qui diminue sa précision. Waouh, super! Le truc le plus chiant du monde, quoi. Ouais, rien de tel qu'une bataille pour renforcer les liens avec des balles à blanc mais des explosions réelles. C'est bien connu. Yes! Minerva, c'est bien une éclaireur. Donc elle va pouvoir récupérer des gens avec elle et aller très très loin, ça c'est cool. Fierté de l'escadron F, chance de récupérer après une attaque, honneur du soldat, de fangoncer à la vue de l'ennemi. Certaines de vos attaques ne pourront pas être évitées par vos ennemis. Esprit rebelle, être près de Claude, troupe sa concentration et diminue sa puissance d'attaque. Chier, faire commandant. Sa défense, sa puissance d'attaque augmente lorsqu'elle donne des ordres à ses alliés. Et reconnaissance supérieure. Repérer 5 ennemis ou plus augmente l'esquive et la puissance d'attaque. Yes, ok. Heureux de Saphir. Voir un peu la précision. 42. Oh la vache. Elle a des gros HP aussi. Un peu comme sa poitrine. Ça tue. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme arme? On lui met le quart d'eux. La portée elle est pas top mais ça fait très mal. Armure corporelle, cape militaire, visée et esquive. Pas mal ça.
HP égale poitrine ou virilité suivant le sexe du personnage. C'est un peu ça, ouais. Wow, 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 popo. Fais voir un peu ça. Le Robinson T1. Alors, anti-blindeur, 20 tirs. Ah merde, non, Glory, pardon. Alors, t'es quoi exactement? 180 000. Fais voir le FN. Ah, 1200. Ouais, tu peux lui changer. Ok. Lance-flamme. Là, il a un canon doublé d'un mortier. C'est abusé quand même. Ah oui, non, c'est le mortier de... anti-personnel en fait. Et là, c'est une mitrailleuse. 30 tirs, oh la vache. On va prendre la Gatling. On va voir un peu. Lapin, précision 8. Non, ça va. Transmission à ressort, 30 PA en plus. Oh la vache, ça tue. Comment on va faire ça? Merde. Ah non, ils ont toujours la même tenue. Résistance, capacité, non, ça on le garde la capacité. PA 30, PV, PA. Ah, ça fait chier. Qui est bon à Tetris? Est-ce qu'il y a un moyen de tout mettre? Donc on a des PA en plus, ça c'est bien. Des PA encore en plus. On a moins de PV. On a une nacelle supplémentaire. C'est bien, c'est pour 3 personnes. On a la résistance qui est augmentée. Ah, on perd des PV quoi. Ça fait chier. Petit carré. Comment tu veux que je fasse? Je peux pas. Pas. Non mais je veux pas la mettre la caisse renforcée. Je préfère à la limite mettre de la... Quoique. On va voir. Ça c'est la caisse. Non, ça revient au même. C'est très bien comme ça. Oh là là. Minerva, Raz, Kai, Raele sont des chefs. On va signer un autre chef. Curtis ou Olar? Curtis est vachement bien.
Mais maintenant, on a Minerva en éclaireur chef. Après, l'ingénieur, il court loin. Il court un peu comme l'éclaireur. Bon, Laurent, ça sert à rien. Neige, ça sert à rien. L'éclaireur. Parce que, oh. En fait, faut que je réfléchisse à comment j'utilise mes mecs. Par exemple, je prends Raz. La plupart du temps, je prends Kai en même temps. Et Riley, parce que Riley et Kai ne peuvent pas vraiment courir. La Minerva pourrait prendre d'autres personnes. Putain, je sais pas. Faut qu'on rajoute des gens dans les squads. Ah, c'est vrai qu'on a des nouveaux mecs. Je vais pas m'en rappeler plus. On a Otacon. Loi des trajectoires. Ce calcul précis augmente la précision grâce à sa préemption de la physique. Proximité d'Awaf. Le rend imprudent. Ce qui veut dire. Ok. Pas Awaf. Pour augmenter légèrement sa puissance d'attaque anti-char et anti-personnel. Le secret des camps lui rappelle son ancienne classe et augmente sa défense. La présence d'un allié augmente la défense et sa précision. Il est pas mal lui, il est vachement bien. Ok, Otacon, toi tu viens avec nous. Alors Otacon, on lui met quoi? Anti-infanterie ou anti... on va lui mettre anti-infanterie, Otacon. Voilà. Alors, après on a un autre sniper, il y a lui. Son talent inné augmente la précision, moins de moitié de ses PV, sa défense diminue, la précision du tir est augmentée pendant une durée précise. Son attaque peut parfois infliger des dégâts critiques sans tenir compte de l'endroit visé, c'est pas mal. Proximité d'un allié diminue la puissance d'attaque, sniper embusqué, réussir une attaque surprise augmente la puissance d'attaque. Ouais, non, pas top. Honnêtement, je sais pas trop quoi utiliser là. On va remettre aussi l'autre, la Viola. Viola, elle était cool. Rage folle. Moins de moitié CPV, son instinct martial prend le dessus, augmente les PA. La proximité des armes provoque tension et diminue sa défense. S'accroupir augmente la précision, neutralisation. Ses attaques ont une certaine chance d'empêcher l'ennemi de riposter, c'est pas mal. Proximité de nombreux ennemis augmente sa défense. Refus de l'autorité près d'un supérieur. Ok, blessure de combat. La puissance d'attaque augmente à l'approche d'un ennemi. Blessure de contact. Okay. On va rajouter Viola et Otacon. Matches projections. Je vais l'appeler Otacon, je m'en fous. Oh, crush them all. Par contre, on va virer Neige. Ça sert à rien, Neige. Oh, time to go. Hey, time to go. Yeah. Ah, je pense qu'on va prendre Curtis. Curtis a tellement fait beaucoup de choses pour nous depuis le début du... Depuis le début de l'aventure. Et le prochain, ce sera sûrement Olar. Ah,
fine. On peut lui enlever? On peut lui enlever! Leader? Fine. Ah, cool! There. All set for the next battle. C'est qui, là, le cyber soldat avec le masque en armure? C'est pas du tout... Ça serait bien, mais ça l'est pas. C'est juste une fille avec un masque en fer. They even have these kinds of facilities on ships? Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. We should be able to upgrade our tank parts and squad mates equipment here, same as back on the base. Et je viens de voir que Mobot dit de la merde. Voilà. Whenever you want to research new weapons, you know where I'll be. Bon, on a 200k. Dis-moi qu'il y a des trucs à acheter, quoi. Voilà, je suis à rien, quoi. Là, ça fait très très front missionnesque, hein, par contre. Avec toutes les trucs qu'on a. Good day, Captain Wallace. While you're aboard our ship, I'll be handling your training regimen. Ah, c'est pas celle qui se foutait de notre gueule. Petite question, étant donné le nombre de tanks, est-ce que l'infanterie anti-tank est encore utile? Genre les lanciers? Honnêtement, j'ai trouvé les lanciers bof. Sauf quand on peut récupérer l'arme anti-personnel pour les lanciers. Parce qu'on a déjà bon le tank, le Hafen, le tank principal qui fait extrêmement mal. Training will of course follow Navy regs, but you shouldn't notice much difference. Now, show me what you've learned. Donc ça c'est largement suffisant contre les tanks. There are plenty of locations on the ship suitable for training. Up on deck, in the corridors. Et après, on a les grenadiers. Les grenadiers qui peuvent être passés en tant qu'anti-tank aussi. Donc, du coup, les lanciers, ils perdent un peu leur rôle. Les lanciers sont censés être des anti-tanks. Mais au final, non. Enfin, je sais pas, pour le moment, c'est comme ça que je le joue. On va augmenter qui? L'éclaireur. Oh la vache. Ok. Don't get careless, everyone. On va se concentrer sur les éclaireurs. But it's a shame, you know. I want to feel like I'm getting out of it what I put into it. Yeah, Karen might be the one to ask. I'd love to learn all her tricks of the trade. Hmm? What are you talking about? Girl stuff. What? What? Oh, sorry, I didn't realize it was private. Elle a du déjà vu, ça. For God's sake, Riley, quit torturing the poor boy. We were just talking about Ragnade. Ok, that déjà vu. But... True. Yeah. This will temper... Wait, ah, mais j'ai pas assez. Bon, je sais pas pourquoi on a du déjà vu comme ça. Ouais, vite, un combat là, qu'on teste tous nos nouveaux jouets et tout. I'm sorry it took so long, but it's time to hand out your cold weather equipment. Ah! Winter gear.
Waouh, on va avoir des manteaux. You mean we won't have to warm our hands on the tank's exhaust pipe? Or wear a week's worth of socks at once? You had to go that far? I heard you had a rough time, but I didn't realize it was that bad. Well, now you'll have a thick coat, leather gloves, wool innerwear, and sheepskin boots. Don't worry. No more shivering out in the cold. Mais vous êtes toujours en guerre. Oh, hell yeah! Okay, let's all get changed. Oh, on va plus avoir les filles en mini-jupe. Oh. Riley and Kaiser are taking a while. Man, why do women always take so long to get dressed? It's not like how they wear it's gonna make a difference. Le couteau est stylé. Oh, really? You think you've seen it all, huh? Ah, toujours en mini. Ah, putain de merde. Ta-da! Riley Miller Winter Edition. Oh, putain, t'as juste mis un manteau. Oh. Damn. Tu te fous de ma gueule, t'as juste mis un manteau par-dessus tous tes vêtements en fait. T'as rien changé. Hey, what kind of reaction is that? Tell me what you think. Oh, I like it. It looks great on you. I know, right? I customized it a bit so the hem would look cuter. That's why it took so long, huh? Mon dieu, mais c'est quoi ce truc? Actually, that one's on me. Wow, yours looks really nice too. Huh? Wait a sec. Your cloak's the only thing different. Are you gonna be okay? That looks kind of cold. Didn't fit me. Oh, that's right. Since you're registered as a man. I'm sure we could get Marie to find you a woman's uniform. No, I'll deal with it. Thicker clothes would only slow me down anyway. It's actually pretty warm if I just wrap up like this. What do you think, Raz? Whatever. Don't blame me if you catch a cold. Well, if you're invincible, you obviously don't need yours. I'll just take them off you. Look, just be careful, all right? Mon dieu. Donc on reste avec les mini-jupes et les pantalons moulants. On a une nouvelle escarmouche. On fait l'escarmouche ou l'histoire? Je sais pas s'il y a des scènes 18+ dans ce jeu. Bah, il devrait quand même. On va tester l'escarmouche un peu. Ça fait longtemps. C'est vrai que le manteau change tout. Ok, on peut toujours déployer que 10 personnes. Alors par contre, on va devoir choisir entre Dan et Ronald en fait. Ok, on va tester comme ça. Alors Minerva, tu vas nous prendre. Lily et Laurent McLeod. Let's do it. I've got this. Là, on va mettre des snipers. My turn. J'arrive pas à voir. Comment vous êtes placés, les gens, là? Vous êtes placés sur des collines? Genre, à gauche, c'est en hauteur, puis après, il y a milieu, et après, c'est en contrebas, c'est ça? Je veux plus de détails, s'il vous plaît. Let's do it. On va mettre Raz. Curtis aussi. Non, on va faire ça. On va faire. Hop. Et Kai à droite. Voilà.
Et on met... On n'a pas de transport de troupes. On va voir comment on se débrouille sans transport de troupes. Je m'étais habitué en fait, mais bon. Ouh, regardez-moi le tank, les gros canons. Char d'assaut, canon. Ok, bon. D'abord le Hafen. Le Hafen peut tanker. Très bien. My turn. Incoming! They're firing on us! Calm down! We need suppressive fire now! Commencing counterattack. Follow my lead. C'est un peu chiant à manœuvrer. Bon, c'est pas grave, merde. Comme ça. Du coup, on passe tous sur la... Ouais, sur le pont. Ça irait vite. Je sais pas. Curtis, il me faut Curtis. Où est Curtis? Hein? Je l'ai pas mis, je l'ai oublié. Ah bah on va prendre Minerva alors. Tu vas nous prendre. Ok. Follow my lead. Waouh, regardez comme elle se la pète, putain les. Pardon. Fall in. I'll stay with you forever. Let them struggle all they want. Non. Got you covered. Focus out there. Go. I'm a Federation officer. I will not fall Attack here. Est-ce que là on est bon ou pas? Here I come. How was that? Oh, la poitrine qui boing boing. Ok, doucement, 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 doucement. Parfait. I'm not scared of anything. That black and white? Okay, the enemy's returning fire. Fire! Adios! All allies have been taken out! Thanks, everyone! Ah, direct, avoir un éclaireur chef? Ah, ça te change le jeu, hein. Ah, ça te change le jeu complètement. Par contre, est-ce que tu vas pouvoir one-shot le tank? Ça, c'est une question. Leave it to me. I'll crush you. Bonus anti-blindage. Ah. Ah non, tu vas pas pouvoir. How's that? Ah merde, c'est vrai qu'ils ont deux. Ils ont des armements anti-blindage, c'est con ce que je viens de faire. Please hurry. Pas grave.
À quand Valkyria Online multi? Qu'est-ce que... Genre ce jeu-là en multi? Ça serait cool. Now advancing. Didn't take much. Nice. Keep up the good work. Nice. Here I go. Faudrait plus de PS. Keep track of the enemy's location. Ah, on peut tirer là pour l'avalanche. T'es sérieux? Sans déconner? Ok, go. Take this. Just take it nice and easy. Enfin, je crois. Ou alors elle visait autre part. Non, elle visait le mec en fait. J'ai rien dit. Donc j'ai complètement... gâché mon tir. C'est cool. Pas de problème. Right there. They might be soldiers after all. Here I go. No, I'm out of ammo. Alors, faut tirer sur le réservoir, enfin sur le moteur. Merde, ok, on n'a pas eu. Pas grave. On va rester là. On a encore 3 trucs, 3 points. I got this. Raz il a la classe avec le... On dirait un manteau 3 quarts en fait. Are we short-handed anywhere? Par contre on est un peu limité en mouvement parce qu'on peut pas passer au milieu. Ils vont pas vouloir enjamber. Enfin, je sais pas. Understood. Voilà. On a deux tanks mais ils servent à rien. Enfin oui, il y en a un qui sert mais l'autre non. Ah, j'aurais dû virer le mec. Wouhou. Restez Riley. We can keep going. Minimal damage. Uh-oh. Riley est bien placé derrière le Hafen. Thank you.
Oh là non. Faut voir aussi les ordres. Watch me. On a du 3 tirs. Là on a du 1. Ah, donc, le mieux ça serait de tuer celui-là qui celui-là là. Ça détruirait un point d'action chez eux. Oh le con! Putain, pourquoi tu l'as loupé quoi? Oh, tu nous fous dans la merde. Le gros foutage de gueule. Le gros foutage de gueule. Tu te fous de moi ? Plus ça fait. Bonne soirée, bonne nuit. We're getting you out. À demain. You're gonna be okay. Please be okay. Keep firing. C'était vraiment de la merde. Ok, Curtis va être utile. This way. I got your back. Just hold out until I make it there. This way. I'll stay with you forever. Proceed with caution. They're firing on us! Excuse-moi! Oh putain, je peux pas bouger, tu te fous de ma gueule. Merci. Keep your guard up. Yes. Over there. C'est pas super stratégique. Enfin, il faut détruire le tank parce que là, sinon, on va être dans la merde. Bah, le tank va faire une seule bouchée des mecs avec nous. Là, du coup, un lancier anti-tank, ça aurait été cool. Là, j'avoue que. Moving out. Fire. Incoming. Advancing. I will see this through. Come
J'aurais pu peut-être utiliser un ordre pour faire plus de dégâts. Enfin non, ça revient au même. Ça revient vraiment au même. Scared of anything. Is it really that black and white? How's that? Pardon. This looks bad. You gotta train every day. I see. They're good. Alors là, je suis complètement désolé, c'était pas voulu. C'était pas voulu du tout, désolé. Aïe 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 aïe. Here comes the pain. Bring it on. I won't let you die. Where the hell did they go? Ouais, il s'est pris un explosif ennemi. Ouais, Curtis, tu t'es pris un explosif ennemi, j'ai pas compris. Je sais pas d'où ça venait, c'était un peu bizarre. C'est un peu étrange. Non, non, c'était les ennemis. Je sais pas pourquoi il s'est pris un tir comme ça. Si je tire, est-ce que le Hafen va m'aider? Non. La réponse est non. Là, les cheveux longs qu'elle a, elle. Vache. Classe. Ça va, t'as pas froid? Non. Merde, je l'ai pas mis à... Je l'ai pas mis sur ses genoux. Fais chier. J'aurais dû la mettre sur ses genoux. Leave it to me. J'arrive avec les munitions. Bougez pas. Thank you. Là de rien. Are you hurt? That's what Brad needed. Voilà. I'm not scared of anything. I'm not scared of anything. C'était même pas destiné pour toi. Mais bon. T'as voulu faire chier. Allez, prochain tour, c'est fini. Je pense qu'on aurait pu le faire en deux tours. Je pense. Ça va, on va te récupérer, mec, t'inquiète pas. Regarde, je te récupère en tank. Regarde-moi ça. Hop, je te roule un peu dessus. Hop, c'est bon. You're safe now. Hang in there. Voilà, pas de problème. Fire!
Allô? I'm not scared of anything. Alors là. How's that? Not done yet. Not done yet. No. Thanks, everyone. Tada! Allez, un petit A là. Ah. We've taken the enemy base. Mission was a success. Yes.